remercier mon organisation pour les assurer, je remercier les autres appréciés, je remercier Bitcoin, parce que nous avons un canadien, nous comptons ensemble, avec nous, notre nom fondation Digicel Haïti et notre nom équipé de nombreuses, dans notre société tout le monde est venu. Nous comptons avec nous ensemble et tout le monde est actuellement ensemble, avant même que nous ayons commencé ensemble avec les actions. C'est Kitlet Lorsin, c'est responsable des demandes judiciaires pour Nord-Ouest, donc responsable à la représentation de formation, sous département. On va laisser notre présence, on va commencer par féliciter nous et applaudir nous. Parce que je dis, c'est un moment important. C'est vrai que nous avons un contexte difficile, comme tout le monde est, nous avons un contexte difficile. Et le contexte difficile, ça fait que nous n'avons pas fonctionné dans les champs que nous n'avons pas fonctionné avant. Déjà, nous qui avons été dans le carrière, et nous souhaitons que ce soit la génie qui vit pour le bien du monde entier. Je dis à nous ensemble, c'est le cadre concours que la Fondation Digicel a lancé depuis 3 ans déjà. Allez, ça va. Nous allons commencer sur la 4e édition. Donc, c'est pour nous capables de finaliser la 3e édition. Concours changement qui c'est un moyen pour la Fondation Digicel d'aider l'organisation de notre pays pour qu'ils soient capables d'aider en plus dans la société. Fondation Digicel là, on a été depuis 2007 et depuis 2007, on a travaillé pour nous porter changement, pour nous porter un bagage positif pour la société haïtienne. La preuve, depuis que nous avons, ça fait 72,4 millions $ avec l'équipe de fondation déjà investi dans le pays, soit à travers la plus grosse activité que nous toujours faisons, qui c'est l'éducation, dans l'école que nous faisons. Vous savez que nous connaissons déjà 182 écoles qui sont déjà construites avec des normes mondiales parasismiques pour mettre des Timouchita dans le bâtiment qui est bon et qui est à l'éducation. Nous gagnons passé 1700 professeurs qui recevront formation, soit en Haïti ou bien à l'étranger, ou bien avec des équipes étrangères qui finissent par m'aider. Nous avons déjà fait 214 projets dans le pays. 214 projets, ça y est, ils ont rentré dans le travail social que nous faisons, soit avec l'école, soit avec l'organisation. Combien de changements qui s'arrivent? Parce que mon organisation qui l'a connu, je m'en très bien, on va dire que bien, parce que combien de changements, c'est un concours qui permet vraiment que nous avons une conscience de sa organisation à faire, la société à faire dans la commune, et qui permet que nous aider à financer un ou deux projets par année. Et c'est à travers tout le pays que je dis à 20 juin, à 1h, dans tout le pays, dans tout le bureau régional, ils vont recevoir finaliste concours contre le changement de la pétition. Je vais vous féliciter, mais vous remettre un chèque qui fait un symbole, un chèque symbolique, qui est le symbole de quantité de que vous allez recevoir. Nous sommes très contents pour nous dire que la 3e édition, leur défi, c'est tout le projet qui a été lancé. Nous avons 63 organisations qui est arrivé dans la phase de projet. La phase de projet, c'est ramasser tout le projet et puis passer, visiter. Il y a 60 organisations qui étaient dans la deuxième phase. Donc, il y a deux membres d'organisations qui ont proposé des organisations. Et dans trois ans, la deuxième phase, nous avons gagné 25 organisations qui passaient dans la phase finale. Et nous faisons partie de 25 organisations. Mais ça, c'est avec plaisir pour nous regarder au niveau de. Lors de cette troisième phase concours d'édition, la troisième édition comme ça, l'idée de gagner dans l'esprit pour nous faire un gagnant dans chaque époque. C'est ça que je dis. Eh bien, grosse surprise, parce que nous devons venir ensemble avec cœur content, c'est parce que c'est une surprise. Grosse surprise qui vient, c'est que en gagnant ça, pour l'Ouest, là, nous ne pouvons pas venir gagnant, mais nous devons. Ça veut dire que nous avons deux finalistes chita là. C'est sûr que nous avons posé une question. Qu'est-ce qui est premier, qu'est-ce qui est bien, mais c'est deux gagnants. Tout bien, c'est gagnant, ça veut dire, nous voulons gagner un premier dans chaque année, et bien là, c'est deux premiers. Et déjà, félicité d'être nous, et nous-mêmes, la félicité. Ensuite, deuxième surprise que nous gagnons, c'est que nous avons conscience.
sur l'action en ligne pour comprendre la façon que nous travaillons et qui ça que nous avons bien compris. Puisque nous avons conscience de ça et qu'on est qu'avec l'heure dénoncée en mai 2019, là, avec le dîner, que vous voyez un dessin bien bas par rapport à l'heure. Donc, deuxième surprise que je vais annoncer maintenant, c'est que au lieu de 800 millions de promettre, nous qui viennent à recevoir, c'est 1 million d'euros que nous avons recevoir. Maintenant, bon, moi, disons, ça m'a dit que l'organisation, qui est dans toute chose dans l'eau, non organisation qui sortit de la main. D'accord? La commission de département de l'Ordre, nous avons l'association pour prestige de chaque classe, qui vous dit qu'il y a un nombre de réparations de l'État pour avoir ce machin. Toujours pour l'Ordre, nous avons l'organisation faite ensemble pour des documents par un, dans un moulin, comme une commune, qui c'est la nôtre. Maintenant, la passe est le centre. Nous gagnons Haïti de travail, qui c'est l'organisation gagnant. Haïti de V, qui c'est l'organisation qui gagne. Mais sans dans la même position ensemble avec nous, nous gagnons deux gagnants tout. Donc, Haïti de V avec Haïti de travail, c'est deux premiers. Et puis, nous gagnons deuxième, qui c'est l'Assemblée des jeunes conseillers. Et ça va bien. Ensuite, les patrons de la semaine de gagnant, Action communautaire pour le développement. Il paye de la paysanne haïtienne, solidarité sans mouvement. Maintenant, les parents m'ont dit, Association des pêcheurs de Charlier, qui m'a dit, Haïti, qui a le rêve, toujours qui m'a dit, mais nous, même avec centre, même j'ai avec l'autre disponible, il y a deux gagnants. Donc, nous qui finit après, c'est nous, mon action. Mais dans le département de l'Europe du Nord, il y a une association des jeunes en développement, apicole. Qui fait travail avec. Ok. Ensuite, l'association des jeunes nordistes pour une nouvelle alternative de développement qui vient du département du Nord-Est. Il y a un centre d'action de recherche et de développement local qui vient. Le lien foi et joie Haïti qui vient. Le département du Nord-Est, c'est le troisième département à bord de nous-mêmes, centre avec nous, qui vient nous, deuxième gagnant. Donc, deuxième employeur avec le premier salaire, c'est l'organisation dynamique pour le développement minier. Ok? Maintenant, on va côté dans l'Ouest, on va dans le Sud. Association socio-sportive de l'Aumont, lycée Jean-Claude Musso. Sud-Est, conduite pour le membre mondial, regroupement des gens pour le développement d'Haïti. Et puis l'Ouest, une fondation de l'école professionnelle Sainte-Marie. Il y a Earth2L International, Association des habitants pour le développement, parce que l'Ouest, il y a deux gens avec nous, deux gagnants, plus Lyon suivant. Ça fait un total de 25 organisations, et au lieu de 800 millions, j'aimerais dire que c'est 1 million d'euros pour les fondations en bail. Donc, là, finaliste que j'ai cité, on a même dit deuxième après les deux premiers. Nous avons lancé la campagne en mai 2019, par le plan de gagner suivant. Mais même si j'ai changé, quand c'était pas prêt pour les premiers, maintenant ils font un changement. Troisième surprise, c'est que nous avons suivi. Et suivant, ça va recevoir 250 000 euros pour être capable au moins d'y avoir une consolation pour entamer un projet de gagner. Donc ça fait au total 17 500 000 euros que la Fondation Digicel, Jodia, mettait à disposition l'organisation Sarao, qui est une organisation Sarao qui sortit dans la scène de 10, mais dans le domaine plusieurs départements qui viennent de gagnants, ça fait 15 gagnants qui sortit avec 1 million d'euros. Donc c'est avec plaisir que je dis et à féliciter encore une fois, on doit dire l'action. Qui est représenté par M. James Lee Maximilien, c'est ça? Maximilien. James Lee Maximilien. Ah, ok. M. James Lee Maximilien, qui est représenté par le team en action et a profité et dit-vous, c'est une façon pour Digicel montrer que là, nous avons présenté le projet, nous avons un peu plus, que nous avons seulement apprécié la façon que nous avons présenté le projet.
nous retrouvons que tout projet nous est capable de changer la vie communauté montréalaise. Donc, majorité raison, puis pour les raisons qui fait organisation de jour présenter projet là pour sortir gagnant pour le changement, c'est ça que va apporter comme changement de positif dans un monde. Donc nous comptons sur vous, Fondation du CERF comptait sur vous, comme on présente aujourd'hui, pour recevoir fonds à eux, pour va recevoir, pour capable de mettre le projet que je vous ai dit que nous allons gagner en application, et dans un petit temps, nous allons avoir possibilité de capable en deux minutes, dis-nous qui s'accroche à rien et permettre que nous, nous entretiens un changement dans la vie. Avec le plaisir à tout, nous remercions M. Justinien Morin, qui représente l'association ADEL, qui sortit Gaspard dans cette région. Et nous demandons, même si nous demandons M. Marcelien, pour mettre en main, mettre en œuvre le projet ça. Qui t'a supposé changer positivement la vie de la communauté gaspard. Donc encore une fois, en félicitez-nous, et après des collègues, félicitez-nous, mais rappelez-vous tout en même temps que Fondation a encore parlé pour nous dans la mise en œuvre du projet SAE. Nous-mêmes, nous avons pu rencontrer, nous avons pu voir dans le projet à côté que nous allons vérifier et visiter pour nous voir comment nous avons avancé ensemble avec le projet. Donc encore une fois, félicitations pour la famille. Et maintenant, je vous remercie. Nous allons présenter M. Maximien Plaxara, qui est le coureur que vous avez gagné. Je dis M. Maximien. Merci. C'est un coureur qui va permettre que dans toute année pour le niveau, que moi je suis en action par le monde et que le café en travail positif de Fondation Digicel est ensemble avec nous. Nous allons aller à M. Maximilien, si vous avez retiré Marcel un petit moment, pour prendre quelques photos. Société ou bien communauté gaspard là, jeune et bagaille qui est positif. Merci en ville. C'est une question qui est facile. Je vais te rappeler.
Merci. Donc, oui, dans ce que je vous dis, on a fait la brevet, chaque symbolique,
nous tout lancer sur tout le pays, la 4e édition, l'année prochaine. D'accord? Donc, c'est pratiquement tout ça que nous avons dit. Nous avons déjà une organisation de minutes. Puis, nous avons un projet que vous avez présenté à l'intérieur de sortie dernière. Qui est un projet à l'EF? D'accord? On va commencer par la question. Pour commencer, je vais dire merci à Dieu qui permet que nous allions toute la communauté. Je connais les compétences là, mais sans l'aide de Dieu, on va faire un peu aussi. Deuxièmement, la Fondation dit c'est merci, qui pensait à l'éducation, qui pensait tout à un autre mode de vie, qui sont conditions de vie, mon capitaine, dans le milieu de la Lyon, pour que l'on soit difficile. Ça fait deuxième participation dans le public pour changement. L'année dernière, j'ai arrivé dans la phase finale d'un tour, mais nous n'avons pas réussi à citer notre organisation par l'Ouest, mais c'était une bagarre des clubs remarqués. Le premier projet, c'était la construction des trois systèmes communautaires, parce qu'il y a un problème. Nous, plus tard, à nos chrétiens, moi, le chrétien, c'est notre localité, côté la vie, et puis l'organisation, tout côté, nous donnons un petit monde chrétien en action. Côté Bougarama, nous ne pouvons pas, il y a plus de 2 heures de temps de marche. Lorsque nous avons deux heures de mois, nous avons côté pour entrer dans la rivière, nous allons aller côté de l'eau à capter. Si nous avons entrer dans la rivière, nous allons aller dans la rivière, nous marcher pour suivre la rivière jusqu'à Kafou-Bui-Bui. Et tout le temps, on va aller pour faire 2 mois pour ça, des rivières faites dans la fente. Donc, on va aller tout le temps, on va aller plus fort, on va aller plus fort, on va aller plus haut. Il y a plus de risques pour violer les dames, il y a plus de risques, il y a plus de pressions qui partent aller jusqu'au fond, pratiquement bloqués dans le métier, déjà se chercher là-dedans. Et il y a des gens qui ont été dans le pour venir à l'école pour étudier, et ils ont subi violence, soit fille ou bien petit ou petit. Non, mais mon petit gars, c'est une promotion. Donc ça veut dire que ça diminue souvent le temps qu'ils à l'école. Ça diminue tout le genre de services qu'ils ont été offrir la cache et ils vont venir avec l'eau sans problème. Côté de l'eau captée, il y a toujours gain. Mais chaque année, depuis que l'on a un peu, pour moi, c'est manger cette tuyau, je veux dire, c'est bien y aller. Donc, on véritable carence en eau potable dans un an, chaque jour qui joue. Mais c'est manger, je veux dire, c'est comme ça. On s'en est pour la soutien de ce projet, on est passé, mais il n'y a pas de passé. L'année où elle n'est pas passée, malgré que l'on fasse, nous avons décidé de créer 2 projets. Donc, qui s'est appuyé à l'élevage caprin à mon petit. Après l'élevage caprin, c'est des caprins indigènes, caprins américains, et que nous avons acheté des races améliorées pour croiser les en chaleur, et donc pour race power, race libyen, nous avons mis ensemble pour améliorer race caprins dans la zone. Les nous vivons dans la Fondation d'Israël, dans la troisième édition, ça nous fait présenter la caprins dans laquelle nous-mêmes nous dévoyons. La Fondation d'Israël est tellement intéressée à projet avec les liens. Patrice là, les demandait pour nous faire l'autre présentation alors qu'il n'y a pas de présentation ça. Et comme ça, nous avons fait l'année dernière, tout le bagage dans la tête, nous avons présenté 2 projets ensemble. Je dis à nos gagnants, nous allons choisir, peut-être si difficilement nous faisons, nous allons choisir un projet qui est plus récent que le mondial. Mais si c'était pour difficile, nous allons dire, est-ce que c'est pour projet d'avenir? Est-ce que c'est pour chef de l'autre passé là? Et l'essentiel, nous avons gardé sa communauté à plus de besoin qui c'est de pour faire parce que les gagnants, pour les gens qui ont une maladie hydrique, pour les rapports à l'infini, qui ont une bagaille, et si nous avons 3 semaines communautaires, qui ont une pile de pour nous aider, il y a 4 mois de ça pour plus de manger, si nous avons l'école, si nous avons marché plus, moins de temps pour nous aider, nous avons plus de temps dans l'école. Nous comptons pour nous gagner dans la Fondation Digicel aujourd'hui. Je dis bonjour à l'instant, merci sans aide de Dieu, notre café. Merci à tout le staff de Chrétien en Action qui parle là, même nos équipes qui entourent, qui peuvent regarder sur cette vidéo ça ou bien image. Moi, je remercie tout le monde, Fondation Dissel. Merci. Merci M. Maximilien. On est dans un endroit pour pouvoir recevoir tous ces contrats de liaison entre nous et la Fondation. Et on va voir tout ça qui est comme détail, on va recevoir pour plus fort et on va dire un rubrique pour la Fondation. Mais déjà, on va vous en primeur que c'est un mixage que la Fondation Digicel fait le projet que vous présentez. Parce que c'est dans ça que nous appuyons aujourd'hui projet élevage caprin plus construction de 3 systèmes. Donc c'est vrai que tout le projet qui intéresse la Fondation. Merci encore une fois. Maintenant, c'est pour moi qu'on va donner 2 minutes à M. Justinien pour avoir présenté un projet que. Organisation par l'association parlant qui c'est association pour le développement agro-écologique de Gaspard, dis-nous qui ça que projet par la télé.
nous comptons, je veux dire, pour nous là, comme gagnants, dans le concours GISEL. C'est la première fois que nous participons à un concours et nous nous disons, nous gagnons. Nous ne connaissons pas le gagnant, mais peut-être que les gens qui nous disent, c'est pour vous dire combien vous voyez déjà, du moins 63, 63 après 25, 25 après 15. Alors, quand même, c'est sûr que vous avez des intérêts de GISEL et nous disons, c'est un véritable problème qui était gagné dans ce moment. Nous comptons nous remercier pour nous deux. Parce que nous force, nous courage pour nous pour travail, pour nous bien nous servir, nous faire actionner, qui n'a pas problème dans la vie. Pour chaque intérêt de GISEL, il fait suite à un projet qui nous est déjà. C'est un projet nous-mêmes, une organisation qui est dirigée dans ça. C'est justement ce petit atelier d'instruments sur la parole du chocolat. Nous connaissons en temps dans l'Ouest, commune de l'Est du Nord, puisqu'en sa folleur, c'est commune Sahel qui produit carabo. Mais, pour ne pas oublier, tout en plus de l'incendie, qui c'est mon âme de l'incendie, nous faisons chez eux, dans cacao, avec café, et mon paysan, c'est l'Est du Nord produit, et puis le paysan ouvrier, il a passé une misère. Eh bien, nous avons qui pour faire chez eux, c'est une question acheter cacao, enfin, le pays, et puis fait chocolat, vous voulez vendre à l'étranger, bien dans le nord, dans le pays, dans le pays, tout ça. Alors, paysans, même seulement, vendre du cacao à Pierre de Tiongou, finant du cacao, et mon niveau de l'investissement du cacao à chocolat, il a fait 100 000, 200 000 par an. On a dit ça, on décide avec la famille, on a dit ça à la fin. On dit bon, finalement, si toutefois, nous allons arriver, l'enfance de ce cacao. Et puis nous n'avons pas vérifié. Et tout ce qu'il y a, il y a un peu d'argent, il y a des possibilités, il n'y a pas de l'école. Et bien, dans ce sens-là, nous avons un projet, des informations sur le chocolat, plus renforcement, et pour ce qu'il y a. Nous avons un projet, nous avons aménagé une responsabilité, nous avons des appareils pour nous garder sur le cacao au chocolat. Et puis ensuite, tout, nous avons gagné tout pour nous avoir produit 5 000 cacao pour nous apporter. C'est tout ça qui est la prochaine partie. Encore une fois, félicitations aux deux organisations. Merci. Parce que nous avons demandé du courage pour la société, la communauté, nous voulons lever, mais demain avec la communauté et les associations. Merci parce que nous avons cherché qu'on ait qui vient ça va passer au niveau de la Fondation Digicel pour que nous puissions participer dans le combien de changements. Ça ne connaissait pas derrière vous-même de raconter que ça finit, mais c'est au contraire que ça a commencé. Moi, je souhaitais que, effectivement, l'association nous pourrait porter des bagages qui sont positifs, parce que la Fondation Digicel est là seulement pour accompagner les gens qui veulent changer la vie positivement au sein de la communauté haïtienne. Et le travail que la Fondation a fait, plan à faire, c'est le travail chaque grand monde qui bat courageux à Digicel en tant que. Et travailleurs en tant qu'employés, c'est une façon pour nous retourner envers la communauté en ce qui est destiné à nous en tant que monde et pour nous retourner envers la communauté en tout ce que nous investissons dans la télécommunication. À partir de moment ça, nous pensons que nous déjà comprenons que nous sommes des ambassadeurs pour la Fondation. Nous sommes des ambassadeurs tout pour la compagnie Digicel. Si par exemple, je suis signé la carte communication un petit peu difficile parce que les autres digicels ne sont pas toujours présents vu à certaines difficultés techniques qui viennent qui viennent nécessairement avec comment nous sommes moyens. Donc, c'est une façon pour nous montrer que nous ne sommes pas seulement là pour faire des communications, mais nous là tout pour nous participer dans la vie sociale. Nous. Donc, nous pensons que nous capable à partir du moment ça va faire une grâce pour nous, digicel capable de faire présent chaque jour, à chaque minute. Avec télécommunication et Fondation Digicel là, pour aider aux infirmiers, et si Canada est capable de vivre pour du plus, il est capable de transformer, il y a plus de moyens dans le prochain, et là, il y a plus de moyens, il est capable d'investir un petit peu plus dans parler ensemble avec le monde, et ça va permettre que les réseaux nous ont tout améliorer la carrière. Donc, nous remercions tout le monde, nous allons passer dans la phase finale de la cérémonie quotidienne, qui est la signature de contrat que nous allons faire pour moi. Pour que nous puissions mettre nos contrats à nous, pour que nous puissions prendre une copie qui pouvait.
fondation. C'est à partir de contrat ça que il a capable de commencer, parce que ça c'est que des chèques symboliques, mais il a capable de commencer vraiment à verser nous fonds qui c'est 1 million d'euros pour nous être capable de mettre dans projet de. Nous connaissons les gens difficiles, là pour faire des bagages qui sont positifs, pour tout le monde voit que positif. Donc si nous sommes capables de permettre dans nos conseils, le premier bagage que nous faisons, c'est inviter mon bureau, bien sûr, pendant que nous devons faire toute attention possible pour nous empêcher que le coronavirus soit partagé. Mais inviter mon bureau pour nous faire comprendre que nous avons combattu pour eux et nous porter fruit à ces premiers bagages-là. Et ensuite, là nous commençons à recevoir fonds et c'est commencer à mettre mieux tout le monde. Pour voir que nous ne pouvons pas juste combattre, nous débattons devant qu'on a combattu, mais nous avons combattu vraiment pour nous, côté fluide pour nous. Donc encore une fois, merci beaucoup. Moi, fini pendant que nous allons signer et chacun va signer un congrès. Moi, fini pour nous remercier Staffan qui était accompagné nous. Mais j'aime toujours faire chaque année, ma voix dans ce challenge, chaque édition. Moi, j'ai changé, là, on a fermé les éditions, mais des suites. Il y a un challenge qui vient entre chaque responsable de zone, donc toi responsable de zone. Étant donné que nous avons un travail sur le Baron Ouest, et le Baron Ouest est toujours porté et manière dans le changement des divisions, qu'on a changé, on va travailler dans un monde. Assurons que nous nous trouvons avec nos prophètes. Effectivement, nous sommes prophètes. Nous sommes prophètes. Nous sommes prophètes. Nous sommes prophètes. Donc, félicitations. Et vous, pour nous, nous avons un service qui vient. Pour dire que nous avons commencé à faire des gens, c'est dans la façon que nous avons cherché l'organisation dans la zone, nous avons besoin de faire des gens. Dans la façon que nous pouvons accompagner au plus bien rempli, forme, et dans la façon que nous pouvons accompagner au plus bas projet à temps. Il y a eu qui vient à travers nos zones pour la première année, en souhaitant que Zone Bao, l'année prochaine, soit capable sortir ensemble avec nous. Encore une fois, merci, guys. Merci pour le travail que nous avons fait ensemble avec nous. Pour remercier la presse qui, malgré les difficultés, malgré les gens qui sont un petit peu difficiles dans le moment pour nous déplacer, mais étaient toujours prêts pour accompagner nous. Nous remercier Friends avec la plateforme Friends Itch.io qui toujours accompagne Digicel depuis un certain temps, spécialement dans quatre projets comme pour changement. Merci à Radio Télé Idéal, merci à Aubin Valdeus. Nous espérons que la confrère, la comprendre que nous n'avons pas invité tout le monde, mais nous-mêmes, nous avons partager ensemble avec eux ce que nous pouvons pour nous. D'accord? Donc, nous mettons 10 minutes pour nous finir. Pendant que l'organisation va signer en vente que nous avons, alors, forme que nous avons passé, nous sommes sûrs que chaque équipe va avoir rien pour nous. Dis de toi, moi, s'il y a rien quelque chose à dire, on va commencer par Nadine, pour lui dire les formes d'abord. Merci Nadine, maintenant, c'est tout seul. Félicité de l'association SAIO, qui c'est MCA et puis ADAG. ADAG, nous souhaitons que il n'y a pas de lien avec, je suppose que c'est Fondation Digicel Mayo, et développer des autres de développer pour aller plus loin, plus loin, plus loin, et qu'on ait que la Fondation Digicel pour la accompagner. Merci Nathalie. Moi c'est Gary. Donc, moi, je remercie deux organisations, MCA avec ADAC, qui ont eu volonté de participer dans le concours commun pour le changement que la Fondation Digicel a organisé depuis 3 ans déjà. C'est une belle initiative pour nous, que nous voulons faire se développer par moi, l'organisation, puisque Digicel va à tous côtés, à la fois Fondation, pour faire tout le projet, mais passer par l'organisation. C'est bien, encourager nous. Et ce qui va être notre zone, pour que nous sommes capables de faire un travail avec une petite communauté, avancement. Oui, de l'autre monde, nous allons encourager tout pour le bonheur de pays. Donc, merci beaucoup. Moi, je remercie MCA et bien dragué pour le travail qu'ils ont fait et qu'ils ont capable de présenter un projet qui est capable qui gagne des bénéfices pour la communauté côté rien. Moi, j'espère que le travail est capable de toucher la communauté et que Gisèle, tout capable à travers le projet, soit capable de bénéficier plus des autres d'entre nous. Oui, moi, c'est Maratine de Garçon. C'est un plaisir pour que moi, félicite et organisation Mange Chrétien et ADAC aussi. Je dirais que c'est un grand plaisir pour que nous continuions avec vous. Donc, nous espérons que vous pourrez bien élaborer le projet que vous mettez en face de la Fondation
donc pour desservir la population que nous avons là. Donc, on ne peut pas dire qu'on peut bagarre, mais on peut dire que nous avons encouragé notre organisation, ok, pour que nous soyons capables de toujours bénéficier de la Fondation Digicel. C'est sûr que nous avons fini avec l'exception de l'autre mois en juillet. Donc, pour les marchés pressés, nous avons une organisation qui très avancée, toujours bien plusieurs projets dans le Jacoutio. C'est le moment où nous mettons les projets en dehors et présenter. Je vous dirai une forme qui vous permet de vous inscrire dans le cours. Alors, ça, c'est Guy Blanc qui a votre information sur la campagne là, pour le changement. Et, forme qui peut mettre l'esprit, il est disponible dans tout bureau régional. Le bureau régional nord-ouest, c'est ici, dans le Père, mon père. Il est disponible tout dans le magasin Digicel. Et il est disponible tout dans l'envoyé de responsable. Donc, pas hésiter si nous rencontrons ensemble avec l'envoyé Digicel pour donner plus d'informations. Nous remercions encore une fois les membres de la presse qui ont accompagné nous, qui permettent de nous moderniser pour nous. Merci pour le courage. Et merci pour ce que nous investissons tête pour la société haïtienne. Merci à l'équipe. Passez bon après-midi, protégez tête, protégez la famille, nous, dans notre travail, pour nous voir que nous avons